Comment ne pas aimer ce monde tant qu'on est épris de liberté par cette belle nature qui nous entoure et nous émerveille à chacune de ses découvertes qui nous rendent encore un peu plus moins bêtes que nous l'étions la veille. Oui, j'ai mille et une raisons d'aimer les hommes autant par leur paradoxe que par leur compréhension, tant qu'ils ne nous prennent pas pour des fous que nous ne sommes, et loin d'être des bêtes de scène, mais plutôt de ceux qui poussent à la réflexion. Par leurs multiples incursions qui sont là autant d'interrogations, véritables interpellations qui nous sert et que nous versions sur la place publique sans autant fermer des vagues qui conduisent au désastre, mais simplement des friandises qui témoignent d'une certaine culture longtemps, mais enfouie dans nos entrailles, pour avoir injustement été blâmée par oppression. Voilà qu'elle renaît aujourd'hui de ses centres. Par ces temps de crise où l'intérêt s'érige en oppresseur et n'a jamais autant été aussi menaçant. Au point de vouloir, mais coûte que coûte, faucher la raison par défi. Mais c'est là mal nous connaître. La conscience étant notre épicentre et notre seul centre d'intérêt, que je ne vois mal perdre le nord par ceux-là même qui sont décidés de nous faire douter du bien fondé de nos valeurs et de notre intime conviction de la grandeur de l'amour. Quand je vois ce que par quoi certains hommes se défaussent et renient ces valeurs, je me dis vraiment que le monde ne tourne plus rond depuis que l'homme se veut l'égal de Dieu le Père. Mais, en pire, frappé d'un égoïsme pathologique, véritable fruit d'une amnésie sélective, que même tout l'or du monde ne rend point immortel, ce type d'homme ne cesse de triompher que dans le mal. Voilà qu'il s'est pris dans son vilain jeu de tour de passe où il se croit le maître du monde, dans ce périmètre qui lui a été réservé par ceux-là même qui le gère et ne comprend toujours pas qu'il fait la fausse route et n'est qu'un pantin aux mains de ses maîtres. Comment ne pas tant aimer ce monde tant qu'il y aura encore des hommes comme nous autres qui empêcheraient d'autres hommes de nous faire là mais tourner en rond, et on voudrait nous faire là accepter l'inacceptable, cette fatalité de force comme une camusole dans une maison de rétention tenue par des égoïstes de tout poil. Ceux qui trouvent toujours de quoi justifier leurs méfaits, de quoi justifier leur mauvais traitement, véritable excuse du mal qu'ils nous font, et justifient là aussi leur rang social. Mais l'intelligence étant
que jamais nous ne céderions au premier chant de sirène. Les valeurs, vous savez, doivent toujours être et rester au-dessus de la mêlée que sont les intérêts et toute autre théorie nuisible au bien-être collectif. Oui, fou, je le suis par ce bien-être qui me caractérise et qui ne m'a jamais trahi une seule fois. Et par cette réflexion légendaire, véritable don de partage, à travers lesquels je diffuse le peu de ce que je sais qui m'a été transmise par d'autres qui pourraient être aujourd'hui utiles aux commandes mortelles en mémoire de ceux qui me l'ont donné aussi gratuitement. Oui, il y a de quoi être fier de certaines folies. Oui, il y a des folies dont on ne devrait pas avoir honte, comme ces bonnes saveurs qui nous ouvrent l'appétit. Si la raison ne pouvait qu'être le fruit de nos entrailles, aucun homme, mais doté de bon sens, ne nous trahirait. Étant toujours aussi confiant de l'avenir, tout à l'image de ce qu'est l'espoir, voilà que nos intelligences convergent vers l'excellence par notre prise de conscience qui fait et qui en fait douter les forces du mal par notre capacité à en surprendre plus d'un par notre virtuosité qui atteint des sommets jusqu'ici inégalés et insoupçonnés. Une imagination tout aussi délirante à l'image de ce qu'on disait le chevalier d'Arcy. L'imagination est un magasin d'extravagance, mais en tout genre. Oui, plus fou que moi tu meurs. Oui, plus fou d'amour que moi, pas possible. Et j'aime dans cette folie par laquelle je m'amuse autant et qui mène droit vers la sagesse par les messages qu'on envoie et qui contribue là, mais largement, à notre instruction, à notre construction et reconstruction, et plus encore, à notre bien-être. À bon entendeur, salut. Que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma passion.